Jour 1. Je décide d'enregistrer cette vidéo parce que aujourd'hui il m'a semblé passer une journée bizarre. Ça a commencé ce matin par des gens avec des yeux noirs. Je les ai croisés au supermarché. Je veux dire, pas des yeux noirs comme les Arabes ou comme mon mari par exemple. Non, non, non. Enfin, mon ex-mari, parce que on n'est plus ensemble depuis quelques mois, mais des yeux entièrement noirs, sans blanc, sans iris, sans pupille, enfin, des yeux bizarrement noirs. En plus, ce qui était bizarre, c'est que j'avais vraiment l'impression qu'il me regardait moi. Ça doit être mon imagination, parce que hier, j'ai regardé des films d'horreur toute la soirée. À mon avis, ça doit me travailler sur l'esprit, mais je préfère tourner une vidéo quand même, avec tout ce que j'ai noté de bizarre sur la journée, et je vais continuer pendant quelques jours pour voir si c'est juste des coïncidences. Parce que ça a été de mal en pire sur la journée. Je suis rentrée et j'ai retrouvé aucune de mes affaires. Tout avait été déplacé dans mon appartement. J'ai retrouvé, par exemple, j'ai retrouvé ma brosse dans le frigo. Pourtant, j'ai aucun problème de mémoire. J'ai retrouvé mes livres dans la poubelle. J'ai retrouvé mes tableaux décrochés du mur. J'ai tout rangé, bien sûr, mais ça m'a fait bizarre. Et le soir, je regardais la télé, il y a eu des interférences avec des bruits étranges. Je saurais pas trop comment dire. On n'aurait pas dit des bruits électriques, on aurait dit des bruits organiques. Mais une télé ne fait pas de bruit organique, pour autant que je sache. Surtout que c'était un téléfilm, tout ce qu'il y a de plus banal. Une histoire d'amour classique entre un riche belâtre et une pauvre fille paumé, hein, moche au début du film et qu'on rembelle. Un truc bien chiant, quoi. Et en plus de ça, quand je me suis levée pour aller me chercher à boire, en plein milieu de la cuisine, il y avait un liquide d'une drôle de couleur marron qui dégageait une forte odeur. C'était vraiment bizarre. C'est peut-être mon chien qui avait la diarrhée, je sais pas, il faudra que je fasse plus attention. Là, je suis sur le point d'aller me coucher, il s'est pas passé d'autres choses étranges, à part le fait que mes objets aient changé de place et le liquide brunâtre. J'ai regardé mon chien, il a pas l'air malade. Mon lapin non plus, et mon chat non plus, donc l'hypothèse de la diarrhée me semble étrange, mais c'est le seul truc qui me vient comme ça, parce qu'au plein milieu d'une pièce, un liquide brun, sachant que je vis toute seule avec mes animaux, il y a peu de chances que ce soit quelque chose que j'ai renversé et je m'en rappellerai. Pourtant, je me rappelle ni d'avoir déplacé les objets, ni d'avoir renversé quoi que ce soit. Donc, j'espère que ça ira mieux. À demain pour une autre vidéo.